Eh bien, donc on est à Athènes, et là aujourd'hui je suis avec FX, François-Xavier, qui est un de mes clients, qui est devenu un pote aussi. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, il y a un ou deux mois à Paris, c'est ça Un peu FX? plus, je pense, en Ouais, avril. en avril. Et puis bon, il a décidé de le faire avec moi à Athènes. Alors moi j'ai fait mon intervention il y a quelques jours, il y a 3 jours. FX lui est arrivé avant-hier, et puis bah, je laissais simplement parler un petit peu de son expérience. Alors, comment ça s'est passé ton arrivée à Athènes et puis le premier jour ton intervention? Et ben déjà l'arrivée était un peu tardive parce que j'avais pris un vol qui arrivait à 1 h du mat. Mais le chauffeur est venu me prendre, j'ai pas eu à attendre ou quoi que ce soit. En 20 minutes, j'étais dans cet appart-hôtel magnifique. Et on se croirait à New York, c'est un loft. Je sais pas si tu pourras montrer des photos, mais Ouais, mais en fait, voilà. j'ai également filmé et j'en avais parlé dans une vidéo, vous verrez aussi. Et c'est vrai que là, les appartements sont juste fous. C'est super. Ouais, c'est comme à Manhattan, c'est hyper confortable, hyper grand. Et puis le matin, du coup, on a un petit déjeuner qui est livré, qui est assez gargantuesque. Il y a un jus d'orange, il y a une omelette, il y a comment t'appelles ça, Yaourt grec yaourt aussi, je crois. grec, voilà, plus des gâteaux secs. Enfin, c'est assez énorme, on peut pas tout manger. Puis surtout avant l'intervention, vaut mieux pas trop. Voilà, ensuite la clinique, elle est à 5 minutes à pied, on peut y aller en taxi. Moi j'y suis allé à pied, ça me permettait de me détendre un peu avant l'intervention. L'intervention donc avait lieu à 10 h, il me semble. On est pris en charge par de charmantes docteurs, hein, je crois que ce n'est pas. Souvent, c'est ce qui revient, C'est un effectivement. plus, Le c'est un plus. personnel est assez sympa. Sympa physiquement et moralement, Exact. et compétent. Voilà. Et Exact. du coup, on va dans une petite salle, on prend les médicaments, on se fait tondre, et puis ensuite, voilà, c'est parti. Moi, c'était 2 h pour prélever les greffons, je crois, c'est ça, À à peu peu près, près jusqu'à 2000 10 h follicules. à midi, voilà. Très peu de douleur. Bon, bien sûr, il y a l'anesthésie, c'est à ce moment-là où ça fait un peu mal, quand on sent l'aiguille qui rentre, mais après, ça fait effet, ça se passe bien. La position sur le dos, bon, c'est pas toujours très confortable, mais c'est comme annexe, tout ça, ça passe vite. Ensuite, on a 1 heure de pause, quelque chose comme ça. Un petit casse-dalle, un sandwich avec jambon, un jus d'orange aussi. Ouais, le petit. Là, c'est petite pause parce que le midi, comme vous êtes dans une intervention, on évite d'apporter les choses qui sont trop lourdes parce qu'après, on ne se sent pas terrible sur la table d'intervention, mais ça fait le travail. Voilà, puis du coup, à 13 h, on rentre dans le vif du sujet, l'implantation. Là, pareil, à nouveau à anesthésie, et là, ça a duré 4 h, je crois. 3 h 30, ouais. 3 h 30, ouais. Et du coup, là, on se met sur le dos, donc la position est quand même plus confortable. Voilà, on a de la musique en fond, mais c'est pas évident forcément de lire. Moi, j'avais prévu ça, mais la musique, ça se passe bien. Et puis là, pas vraiment pareil, pas trop de douleur, juste à la toute fin, parce que l'anesthésiant commençait un peu à s'en aller. Donc voilà, c'était à la fin, j'ai un petit peu senti les 10 dernières minutes. Et puis voilà, ensuite ça s'est terminé, on a pris les petites photos, un petit bandage, et puis j'ai pris un petit cachet pour être sûr de ne pas avoir mal. Et puis on rentre à la maison, et puis voilà, puis c'est fait. Et puis ce matin, un petit shampoing. Est-ce que tu as des douleurs aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'ai vraiment pas de douleur. Et là, on est donc le lendemain de Voilà, l'intervention. voilà. J'ai vraiment eu des douleurs dans les 10 dernières minutes de l'intervention, et peut-être 15-20 minutes après. D'accord. Voilà. Et puis là, est-ce que l'aspect te surprend? Est-ce que tu as l'impression que ce serait beaucoup plus rouge, que ce serait beaucoup plus gonflé, que ce serait. Est-ce que tu te disais ça va être différent? Est-ce que là, tu as la sensation que finalement, bah, c'est propre et que. Ouais, j'ai la sensation que c'est très propre, surtout que bah, après le check-in qu'on a fait ce matin avec d'autres docteurs encore que celle d'hier, donc ça aussi qui est bien, c'est d'avoir plusieurs regards qui se croisent, c'est quand même un plus. Voilà, puis moi personnellement, je pensais être plus choqué que ça par le fait d'être chauve, mais enfin d'être rasé. Et en vrai, ça me choque pas plus que ça. Même si je suis très content d'avoir à nouveau des cheveux, je me trouve pas. Ouais, Bah, ça voilà, tu donc. peux. Non, franchement, c'est vraiment
J+1, tout va bien. Tout va bien, et puis bon, ben là on va aller se balader à Athènes, parce que c'est ça aussi l'intérêt quand on vient ici, c'est que faut essayer de profiter de la ville, donc on va aller manger au bord de plage, et puis marcher un petit peu cet après-midi, voir les monuments. Évidemment, vous pouvez faire ça. Après l'intervention, il ne faut pas non plus faire le marathon, comme je disais, et puis comme il y a du soleil, on va quand même se couvrir la tête, mais voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire à Athènes.